très très bien. Il est toujours facile ce coup de pied. Il a l'air toujours. C'est vrai que. Encore la Bruges peut-être. Bruges. Bloqué encore. Mais Silla, on l'avait annoncé. Il va falloir le mettre au fond quand même, parce que même s'il y a Silla, dommage. Encore un arrêt. Raltonen. Flynn. Parcoletti, pardon. N'importe quoi, c'est pas Roussel, c'était Ruel. Ruel qui va lancer. Ouh, c'est pas dit. Ouh, alors je sais pas comment il finit pas au fond celui-là. Monsieur l'arbitre, très bien placé. Ça joue encore. Pas foufou. Là peut-être avec Poudrier. Jespalov, il se présente. Ah ouais, là il avait très très bien. Ok, ça se chamaille devant les buts. Pompéi encore. Pompéi et puis Salonien aussi. Il peut faire lancer. Aller toujours dans les cross bordelaises pour longtemps. Si Spinozzi qui va repasser par la pointe avec Dussault, avec Salonen qui va se présenter. Il a été masqué, je pense, Signac là-dessus. Et une pluie inarrêtable. Salonen, l'incontournable. Salonen, il n'y a pas le casque d'or pour rien. Non, pas le casque d'or pour rien. Il a mis un petit peu de... C'est ce que j'allais te dire. Il a mis un peu de temps quand il est arrivé, mais alors, vraiment, il est convaincant, ce Finlandais. Charmant, en plus, charmant, quand on le rencontre, toujours souriant, très affable. Francis, voilà, on va le dire. C'est transversal, récupéré par les Bordelais, on va mettre à la cage. On revient à la pointe, on va lancer du côté de Kopila. Il a temporisé, il y a beaucoup de monde. C'est par de la plaque qui détourne Silla, tout heureux, je pense, de détourner ce palais. Je crois qu'il n'a pas vu partir. On demande le palais. Encore. Pompéi, ce palais qui sort. On va jouer Asseline avec Colotti, on est en 2 contre 1. C'est bien bloqué. Double arrêt, la cage qui a bougé. La cage. Stoliarov, attention, la deuxième bleue, il le trouve. C'est je ne sais pas encore. Heureusement que on veillait au grain du côté de la défense. Grosse alerte aussi là. Je sais pas s'il allait se planter devant là. Cette fois-ci il est planté. Entre Dévié entre les jambes. Et il revient très vite dans ce deuxième tiers-temps. Les Marseillais pourtant c'est bien les Bordelais, la pointe de Sirgue. C'est bien les Bordelais qui étaient plus menaçants quand même depuis le début. Eh oui, mais première alerte et la deuxième fut la bonne. Allez, un partout. Tout est à recommencer évidemment dans ce deuxième tiers-temps. Beau but de Sirgue, important celui-là. Parce que j'ai très bien compris là où tu veux en venir. Attention. On ne passe pas. Encore une fois, ce diable. Je voyais la ligne et je doutais de moi-même. Ça m'arrive même. Je suis baisant. Ça y est. Il l'a pris, Pox, il l'a suivi. Ce lourd lancé comme d'habitude. Ce lourd lancé de Kevin Dussault. Signac qui peut faire le premier arrêt. Et malheureusement qui doit s'incliner sur ce rebond concédé. Et les Bordelais qui reprennent les commandes de ce match. Défense dans le roux. C'est à toi moi en ce moment. Allez, on remet à la pointe. Pas beaucoup de solutions. Il va trouver Prissin. Quel but de Julien Guillet. Bravo. Contrôle du patin. Et ça trompe un petit peu ce contrôle parce qu'il est un peu fixé. Exactement. Il arrive à lui mettre côté gauche. Et bien levé sous la barre. Bien levé sous la barre. Ouais. Et ça donne un petit matelas. Bruges, parce qu'il va falloir qu'il revienne dans ce match. Il ne veut rien lâcher du coup de... Oh, quelle passe de Poudrier. Et Bruges qui arrive à glisser ce palais à la gauche de Signac. Quelle belle entame. On ne pouvait pas rêver mieux. Ah non, là, vraiment. Et Bruges qui est quand même récompensé de belles premières périodes. Avec un face-à-face, très agressif présent aussi sur le palais. Et puis il est toujours, il fournit beaucoup de pression, des gauches d'effort constantes. C'est ça.